Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre unboxing DAC du samedi. Alors, hop, la toile d'aujourd'hui. Hop, alors attendez, je vais enlever le papier, ce serait déjà pas plus mal. Hop, voilà. Et ça va pouvoir aller. Alors, la toile d'aujourd'hui est celle-ci, Polanyi de Maïka Jelena en diamant rond 76 par 51. Alors, hop, cette toile-là, je l'ai commandée le 28 août, je l'ai reçue le 30 août, et non, elle a été expédiée le 30 août et je l'ai reçue le 6 septembre, donc tout ça de l'année dernière. C'est une toile donc 76 par 51. Elle a très peu de couleurs, hein, elle en a 29 avec 2 AB. Et quand j'avais passé la commande, elle était à 27,95 €. Oui, donc je disais, quand j'ai passé la commande, elle était à 47,95 € et maintenant elle est à 64 €. Alors, on a le petit autocollant qui va au bout de la boîte. On a notre toolkit de base, donc je ne vais pas tout vous remontrer. Hein, donc stylet, petits outils pour le confort des doigts, multiple sort de 4, pain de colle, barquette, pas de pince vu que c'est des diamants ronds. Et quelques sachets, et je peux vous dire déjà qu'il n'y en a pas 29, ça se voit. Alors je sais que dans cette... Alors auprès de cette artiste, elle a fait aussi une toile un peu dans le même style, où c'est un... Un tigre, oui. Oui, c'est un tigre. Et il est rose. Alors, il me plaît beaucoup. Mais je vais pas au bout parce que le fond est noir. Et du coup, j'aime pas trop. Je trouve pas l'ensemble top. Celui-ci, il a pas de fond, si vous regardez bien. La partie sombre qu'on voit, en fait, c'est au niveau de sa tête. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, au niveau de sa tête et au niveau de son dos. Et en fait, c'est toujours lui qu'on voit. Et l'autre, il a vraiment un fond. Et je suis pas trop fan du fond. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Alors, hop, la toile se déroule comme ceci. Hop. Donc, déjà, on a une partie de son visage. Wow, il y a du noir. Hein. Je m'attendais pas autant, mais bon, il y en a. Hop. Vous voyez tout. Alors, là, on a sa tête au complet. Et hop là. Wow, elle est magnifique. Elle est sublime. Elle est super belle. Hop, attendez. J'aplatis un peu. Voilà. Hop, vous voyez tout. Ouais, c'est bon, vous la voyez au complète. Pour une fois, yes. Alors, on a bien nos tableaux de chaque couleur. Le DAC écrit en haut. Le petit dessin qui rappelle la toile. Polanyi, le nom de la toile, la taille, l'artiste et écrit Diamant Art Club. Et vous avez un code de 10% qui est juste là. Mais repasse caché les 10% chez DAC, vous trouverez toujours plus gros. Donc, c'est du diamant rond et on est bombardé de vert. De vert et de noir. Où est mon tableau? Il est juste là. Donc on a notre image et le tableau. Hop, je vous zoome. Donc c'est sur étiquette qui se décolle une par une. Donc ça, ça a été... je crois qu'elle n'est pas vieille cette image, donc ça doit être pour ça. Donc on a combien de AB? On en a deux. Donc ça doit être le orangé et rouge et le blanc qui est juste là. Et voilà les symboles que l'on a. Alors j'ai horreur qu'ils mettent les ronds autour des symboles, mais normalement ça devrait le faire. Toujours la peur que le rond se voit même en ayant posé le diamant. Vous voyez qu'il déborde du diamant. Normalement, ça devrait le faire. Je regarde vite fait, mais je vois pas de symbole qui pourrait induire en erreur. Alors, on a deux fois le symbole, vous savez, dans ce style-là. La petite flèche qui remonte. Mais vous voyez, celui-là, il est encerclé et il est violet. Donc, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait aller. Alors... Les diamants, il y a du noir, bon ok, il y a du vert, ok. Où sont les AB? Alors déjà je vois le AB blanc qui est juste là,
Je sais pas si vous voyez bien. Et donc l'autre, ça doit être un rouge orangé. Voilà, il est juste là. Je sais pas si vous voyez bien, il est vraiment caché derrière. Alors, on va ouvrir ça. Alors, comment dire, êtes-vous prêt à lancer un pari sur combien il y a de sachets de 310? Parce que là, les sachets ne sont vraiment pas très gros. Vous savez, il y a des sachets qui sont quand même assez, on va dire, en longueur. Et là, en fait, ils font tous la même taille, les sachets. Ça doit quand même être un vieux kit. Mais waouh! Il y a beaucoup de noir. Bon, c'est du rond, donc ça devrait le faire. Donc là, j'ai un 823. Et là, j'ai un 954. Et là, on a un 310. Et tout le reste de la ribambelle, c'est du 310. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pardon. Ah, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, on a 14 310. On a un 823 qui est un bleu très très foncé. Ensuite, on a... Alors là, ça va, on a un 775 et un 993. Mais on a un 939, 1, 2 et 3. Oui, ça fait quand même pas mal de noir tout ça. On a un 913, on en a 2. On a un 3809, on en a 2. On a un 3808, on en a 2. Notre premier rabais, le 141, un blanc. On en a 2 sachets. Voilà, on a 2 sachets de blanc. On a le 300, le 3810, on a 2 sachets. Et pour finir, on a... Hop. Le 807, on a 2 sachets. Le 955, on a un seul sachet. Le 3841, 3766. Le 900, le 3755. Le 3325, le 740, le 133, le AB orangé, le 334, le 300, le 741, le 742, le 312, 322, 519, 743, pardon, il y a un cheveu, et 745. Alors... va-t-on commencer par le orangé? Oui, c'est l'orangé, de toute façon le premier de la liste. Donc le tout petit sachet de AB. Alors, le orangé, voyons voir où c'est qu'il est. C'est le symbole numéro 1. Alors, est-ce que je vous zoome? Ouais, je vais vous zoomer. Hop. Si je zoome plus, ça donne quoi? Ouais, je vais vous bouger à la main. Hop. Donc voilà, tous les symboles numéro 1 au niveau de l'œil. On en a tout là, là, hop, comme ceci, et un peu ici. Ensuite, on a dans l'autre œil. Attendez, je bouge doucement pour vous donner envie de vomir. On en a ici, ici, ça remonte et un tout petit peu là. Et on a le nez. Hop, je vous redescends. Voilà. On en a tout ici, un petit peu ici. Et on en a tout là. Hop, je vous pose et je vous dézoome. Voilà. Alors ensuite, le symbole numéro 2. Donc tout le blanc. Alors le blanc, c'est le symbole numéro 2. J'ai 2 diamants là, 2 ici. J'en ai un juste là. J'en ai un juste ici. J'en ai 3 juste ici, j'en ai 4 ici, 2 là, j'en ai 4 là, j'en ai 7 ici, 1 là, 3 là, j'en ai 1 juste ici, j'en ai un gros bloc ici au niveau de l'œil, j'en ai un tout petit peu là et là, j'en ai ici, ici, j'ai un gros bloc juste ici et un peu là.
Est-ce que c'est du 2? Non. J'en ai juste ici, ici et une bonne grosse partie ici, ici. Là, un gros bloc là. J'en ai un peu là, là. Et j'en ai quelques confettis un peu ici qui descendent. Voilà, ici. J'en ai un peu là. J'en ai un peu ici. Petit carré. J'en ai un point là et un point là au niveau de son nez. Ok. Ensuite, j'ai un gros bloc ici qui est mélangé avec d'autres diamants. J'ai un bon gros bloc ici, là, et un bon gros bloc ici. J'en ai un petit peu. Alors là, ça part de ici, ça s'arrête là. Là, ça part ici, ici, tout le long ici et au bout. Là, ça part comme ceci, ça s'arrête là. Là, ça part, ça se stoppe là et ça repart un tout petit peu ici. Là, j'en ai aussi quelques-uns en confetti. Là, j'en ai une grosse partie. Là, j'en ai là aussi. Et là, j'en ai là et là. J'en ai sur la moustache qui descend là. J'en ai là aussi. Ça descend jusque là. Là, j'en ai aussi. Là, j'en ai. J'en ai sur toute cette partie-là. J'en ai quelques-uns ici, ici, ici. Et ça redescend. Là, non. Là, non. Là, j'en ai quelques-uns. J'en ai trois là, un là. Et un là. Là, vous voyez, ça descend. Là, il y en a là. Il y en a là. Ici, ici. Il y en a trois là. Il y en a quatre ici. Il y en a quelques-uns ici. Il y en a ici, ici. Là, il y en a quatre. Là, il y en a quatre. Quatre. Il y en a deux. Et là, il y en a quatre. Donc, voilà. Alors, le blanc est super bien trouvé. Je pense que ça va être super. Peut-être un peu trop bloc là. Mais je pense que ça devrait le faire. Le orangé, c'est pas mal. Je trouve ça bien. Mais j'aurais bien aimé un petit vert. J'aurais bien aimé un petit vert. Vu quand même, c'est la couleur qu'il a, bah, qui fait tout son poil. J'aurais bien aimé un petit vert, mais alors lequel? Surtout là, je m'attendais pas à ce que ce soit autant noir à cet endroit-là. Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de vert. En vert... Alors, on a le choix entre le X, le 913, le S, le 954 ou le 7, le 993. Et quand je regarde comme ça, ben je sais pas. Là, au niveau de là, il y a des 3. Là, il y a les 3. Enfin bon, un peu partout, mais le X est quand même beaucoup plus présent. À voir si je partirais peut-être sur le S, je sais pas. Soit le X, soit le S, parce que eux ils sont partout, vraiment partout. Le 7, il y en a un peu moins. Ouais, le X ou le S. À voir, soit on part sur un 913, soit un 954. Je ne sais pas trop. Le 9, c'est quoi? C'est 939, ouais. Ok. Ouais, donc les 310, ils ont fait ben, ce symbole-là, un point blanc. Et le 939, pour pas trop mélanger entre les deux, ils ont fait un rond avec un 9 dedans. Ça fait énormément de noir. Ça fait beaucoup de noir, mais bon. C'est une toile en diamant rond, donc ça me... En fait, les toiles où il y a beaucoup de noir, si elle est en diamant rond, ça me dérange moins que si elle est en diamant carré. Parce que je peux utiliser le multiplaceur avec les diamants ronds. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais moi, j'y arrive pas avec les carrés. Mais avec les ronds, ça ne me dérange pas. Parce que je peux replacer comme je veux. Que les carrés, bah, je suis un peu moins fan de les replacer, de les rebouger et tout. Je pourrais, mais j'y arrive pas. Voilà. Je vais essayer de m'entraîner avec le carré. Mais cette toile-là me fait pas du tout peur. Faut juste que je trouve le vert que je vais mettre dedans. Donc voilà pour cette toile-là. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui l'a fait, n'hésitez pas à soit mettre le lien de sa vidéo, soit me donner son nom pour que j'aille regarder. Si jamais vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut !